Réalisons un caramel à sec. Une poêle avec un fond épais pour accumuler et répartir le maximum de chaleur. Et du sucre en poudre que l'on va verser dans la poêle. La recette est très simple. Plus on veut de caramel, plus on met de sucre. On laisse fondre le sucre tout seul, sans y toucher. Dès que le sucre commence à fondre, on va pouvoir mélanger délicatement. Je stoppe quand j'obtiens une jolie couleur caramel. J'ai obtenu un caramel à sec, maintenant je peux l'utiliser. Moi, je vais en faire des feuilles de caramel. Donc, sur un tapis de cuisson, je viens répartir tout mon caramel, l'étaler le plus finement possible, et je vais coller dessus un deuxième tapis de cuisson. Et très vite, je viens séparer les deux pour dédoubler ma masse de caramel. On va laisser refroidir quelques instants. Dès que le caramel est froid, on décolle et on obtient une fine tuile de caramel. À vous d'imaginer le dessert qui va avec.